Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous la Orcia Box Saint-Valentin. Alors la Orcia Box c'est une box qui est faite pour soutenir les artisans et pour montrer leurs produits, etc. pour pouvoir nous faire découvrir des produits qu'on ne connaît pas. Et comme vous savez, vous pouvez avoir un abonnement à la Orcia Box. Et moi personnellement je la reçois tous les mois et c'est pour ça que tous les mois j'adore partager avec vous ma Orcia Box. Donc là c'est la Orcia Box Saint-Valentin et j'ai vraiment 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 hâte de la découvrir. Donc c'est parti, on va vite la découvrir ensemble. Donc surtout si vous voulez découvrir leur Orcia Box chaque mois comme moi je le fais, n'hésitez vraiment pas à aller sur leur site et à commander. La prochaine box ça s'appelle Air de Printemps, du coup j'ai vraiment hâte de la recevoir et surtout si vous aussi vous la voulez, n'hésitez pas à aller sur leur site, je vous le mets juste ici et il sera également en barre d'infos. Donc allez bombarder et commandez là parce que je pense que ça va être une tuerie. Alors là on est parti pour découvrir la Orcia Box, donc je sais vraiment vraiment pas ce qu'il y a dedans et c'est vraiment trop bien, le suspense et tout, et en plus je sais très bien qu'il y aura des produits de grande qualité. Donc vous pouvez voir, j'ai juste ouvert le carton parce que j'allais pas le faire en vidéo puis ça allait prendre du temps, du coup j'ai juste ouvert le carton comme ceci. Donc là c'est parti, je vais enlever la Orcia Box du carton. Donc si j'y arrive, elle est très lourde, là je pense qu'il va vraiment y avoir des trucs top. Donc elle est assez lourde et tout, c'est vraiment cool. Ensuite ce qui change de d'habitude là, c'est qu'ils ont mis des petits cœurs pour changer, pour être dans le thème de la Saint-Valentin et tout. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans et tout, là j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc c'est parti, je vais défaire le nœud avec vous. Donc comme ça, hop, hop. Donc les nœuds je les garde toujours, je les mets dans mes casiers ou un truc comme ça, enfin dans mon casier ou des trucs comme ça, ça peut toujours servir. Donc voilà la Orcia Box, je vous la remontre, on sait jamais. Donc là je l'ouvre. Et là, donc comme d'habitude, il y a toujours le petit. Oula, il s'est un peu bougé. Attendez, je vais le remettre. Donc il y a toujours le petit papier de soie et tout qui est vraiment trop beau avec les petits poneys et tout. Hop. Et la box, je tiens à dire qu'elle sent trop bon. Ils ont dû mettre un parfum ou un truc comme ça dedans, mais ça sent vraiment trop bon, genre ça dégage une odeur de parfum, c'est vraiment trop bien. Donc comme d'habitude on a toujours on a toujours un petit papier comme ça pour montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc voici tous les produits que je vais recevoir, je lirai le petit descriptif à chaque fois vous dire ce qu'il y a dedans, donc je vais pas trop me gâcher la surprise. Donc là je vois directement que on a des bonbons. Donc pour rester dans le thème la Saint-Valentin, on a des bonbons rouges. Donc c'est des bonbons de la marque Naturel, j'arrivais pas à le dire. Donc c'est des friandises à la betterave, c'est pour chevaux, poneys et ânes. Donc si vous avez des ânes vous pouvez en donner, c'est 100% naturel et c'est une fabrication artisanale. Donc franchement c'est vraiment trop bien. J'ai hâte de les faire goûter à Sibel, j'espère qu'il va bien aimer. Ensuite, c'est une friandise naturelle de Saint-Valentin que votre cheval va adorer, composée de betteraves, de maïs et de son de blé. Bienfait de la betterave rouge, riche en énergie, effet laxatif et anticolique, et détoxifiant de l'organisme et apport de fer. Donc voilà, franchement je pense qu'il va bien les aimer. Et elles sont très bonnes. En fait, je pense que c'est clairement ça qui sent trop bon dans la box. Parce que oui, la box sent trop bon. Donc, il y a une odeur de parfum et tout. Et soit c'est le... Soit ils ont mis un parfum, soit c'est clairement les bonbons qui sentent comme ça. Parce que c'est vraiment un truc de ouf. Genre, ça sent trop bon. Donc, je vais pas trop regarder ce qu'il y a dedans. Bon, même si là, je vois, je vais pas trop me spoiler. Hein. Donc voilà, il y avait des petits bonbons et franchement c'est trop bien. Sachez que dans chaque Orcia Box, il y aura toujours une friandise, un cadeau pour le cavalier, un cadeau pour le poney, un accessoire cheval. Bref, il y a vraiment, il y aura toujours 5 produits normalement. Ensuite, une fois, donc là j'ai trouvé les petites friandises. Donc là je pense que c'est pour le cavalier, malheureusement avec l'envoi je viens de remarquer que ça s'était un peu cassé. Donc c'est des chocolats.
Franchement, c'est trop bien, en forme de cœur. Donc, ils se sont un peu abîmés et tout avec l'envoi, avec les secousses et tout. Mais franchement, je n'en veux pas. Puis ça se mange toujours. Hein. Tant que ça se mange, c'est bon. Clairement. Donc, c'est cœur Saint-Valentin, chocolatier. Voilà, voilà. Donc, c'est des chocolats. Franchement, c'est vraiment cool de recevoir des petits chocolats comme ça. Donc, on peut voir qu'il y a un chocolat un peu rouge et tout. Après, voilà, bon, ça s'est abîmé, mais c'est vraiment rien. Parce que ça se mange. Donc, tu me diras, tant mieux, hein. Donc, voilà, les petits chocolats, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on tombe sur un super liminant. Donc, c'est, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, décontraction des muscles et des tendons. Ah oui, donc je pense que c'est un peu un gel ou un liquide chauffant pour décontracter... les muscles, ah bah oui, effet chauffant, utilisation avant et après l'effort. Donc franchement, c'est vraiment vraiment bien. Je vais lire la petite description qu'il y a là-dessus. Super liminant est une solution de massage de base d'extrait naturel de plantes et d'herbes aromatiques aux propriétés apaisantes. Oh là là, j'arrive plus à lire, c'est pas possible. Antiseptique, elle est particulièrement conseillée pour les membres et les muscles des chevaux avant le travail pour échauffer les masses musculaires, notamment en cas de raideur. Après un travail intense pour faciliter la récupération, combinez à votre bouteille séance détente, cocooning garantie. Donc franchement, c'est vraiment vraiment top. Je pense que je vais m'en servir pas mal, au moins il pourra se détendre. Donc voilà comment se présente le produit, il est comme ça. Et je crois que le produit est vert à l'intérieur. Donc, je vais l'ouvrir. Ah, ça sent fort. Mais franchement, ça sent bon. Ça sent un peu, je sais pas. Ça sent le vernis un peu. Mais genre, vraiment, ça sent bon. Donc, voilà. Et je pense que je vais m'en servir quand je ferai des grosses séances de saut. Ou des trucs comme ça. Et que je le pousserai un peu. Je vais m'en servir, clairement, ça va vraiment bien me servir. Je vous ferai peut-être quelques petites stories Insta quand je m'en servirai. Alors ensuite, un thé, il y a du thé, alors que j'adore le thé, genre vraiment, c'est trop bon, c'est ma passion le thé, un truc de ouf, genre il y a, ah là ça m'arrange hein, non mais là je vous dis ça m'arrange tout de suite qu'il y ait du thé, je m'attendais pas du tout à avoir du thé en fait, parce que bah voilà c'est un truc à côté, c'est un petit plaisir, mais franchement... c'est vraiment trop bien. Donc voilà. Et franchement, je vous ferai sûrement des stories Insta aussi également quand je vais le goûter. Sachant que j'adore le thé. Enfin, tout. Framboise. Là, c'est notes d'amande et de framboise. Ah bah, c'est nickel. C'est du thé noir gourmand. Franchement, je suis trop contente. Sachant que ma mère boit aussi beaucoup de thé. Donc non. Celui-ci sera pour moi. Ah oui, dans la Orcilia Box. Il y a des petites fleurs comme ça, en fait, pour marquer la Saint-Valentin. Elles sont vraiment trop belles. J'aime beaucoup. Elles sentent bon également. Ils ont dû mettre un parfum, un truc comme ça. Franchement, ça sent trop bon. Donc voilà. Et ensuite, je pense que c'est ça qui rend lourd. Oui, c'est ça. Donc, oula, je vais décaler la Orcilia Box. Je vais la mettre là-bas. Hop, et voilà. Donc. Ça, vous vous demandez sûrement ce que c'est. Et moi aussi, je me demande énormément ce que c'est là. Je sais pas. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Je vois pas trop ce que c'est. Alors. Je vais lire parce que je vois pas trop ce que c'est. En tout cas, je sais que c'est vraiment... enfin, c'est lourd. Et il y a l'air d'y avoir des petits grains et tout. Donc, je vais regarder tout de suite ce que c'est. Alors... bouillotte, sèche, coussin, zénitude. Donc c'est une bouillotte en fait. Cette bouillotte sèche remplie de graines de lin. Vous pouvez vous en servir de deux manières. L'hiver en la réchauffant au micro-ondes pour décontracter les muscles avant et après l'effort. Ou tout simplement lors d'un moment détente pour votre cheval. Et l'été en mettant le coussin au congélateur en cas de traumatisme, de fièvre et surtout en cas de forte chaleur. Trop bien, genre vraiment, genre je savais même pas que ça existait pour les chevaux. Elles sont bonnes aussi. Enfin, genre franchement, je pense que je vais m'en servir pour le décontracter encore une fois avec
le petit produit. Ça, je mettrai sur les muscles de son dos ou un truc comme ça. Et en été, quand il y a la canicule, ça va vraiment me servir. Je penserai à le mettre au congélateur et à venir le rafraîchir mon petit poney. Franchement, ça va être trop pratique. Ça va vraiment beaucoup me servir. Et franchement, je vous avoue que j'étais vraiment, vraiment pas au courant que... Oula, j'ai failli faire tomber le carton. Que... Enfin, il pouvait y avoir des petites pouillottes comme ça pour les chevaux. Donc, c'est vraiment iconique, quoi. Ensuite, il y a les petites notices d'utilisation. Donc, ça, voilà. J'irai ça chez moi. Hein. Enfin, tranquille. Utilisation à chaud, utilisation à froid, entretien, etc. Donc, si jamais vous avez commandé la box de Saint-Valentin, vous aurez la petite notice et vous pourrez le lire, bien évidemment. Et ensuite, il y a la petite carte pour la petite bouillotte. Donc, je vais la remettre dedans et je vais refermer ça. Et franchement, je vous ferai genre vraiment plein de stories quand je teste tout ça et tout sur Insta. Donc, soyez actifs sur mon Insta. Je vous le remets juste ici pour que vous puissiez aller vous abonner et être actif là-bas. Donc, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de la Orsivia Box. Franchement, je tiens à dire que j'ai adoré la découvrir parce que il y a vraiment plein de surprises dedans et c'est des produits de très très bonne qualité. On voit aussi également que c'est une box de Saint-Valentin parce que c'est là pour faire plaisir à celui qu'on aime le plus, donc notre poney en fait. Et ça va être vraiment cool, j'ai hâte de tout tester dessus. N'hésitez pas à reposter une photo avec la Orsivia Box sur votre Instagram ou sur un réseau social quoi, pour qu'on puisse la voir. Et n'hésitez pas à mettre le hashtag Orsivia Box dans la description de votre post et identifier Orsivia Box également. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous le remets encore une fois juste ici, il sera également dans la barre d'infos. J'y répondrai sans aucun problème, je serai là pour y répondre, pour répondre à vos questions car je suis là pour ça. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai sans aucun problème. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme vous le faites à chaque fois, ça me fait super plaisir. Vos conseils aussi, ça m'encourage encore plus à vous écouter et vos messages positifs, ça fait super plaisir. Merci d'être en masse là, à vous abonner, d'être présent parce qu'on s'approche vraiment des 5000 abonnés et là c'est un truc de ouf, genre je m'y attendais pas, y arriver aussi vite en tout cas, mais franchement je vous aime fort 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 et 5000 merci. Quand on aura les 5000, je vais vous prévoir une petite vidéo grave sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous saurez quand je sors une vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!